Allez, bonjour à tous. Direct depuis Morzine. On est dans le Chablais ce matin. C'est le réveil, il fait frais ce matin avec nous. Jules Gaillard, bonjour Jules. Bonjour. Vous le reconnaissez, Jules. Quel âge ça te fait, Jules, maintenant ? 18 ans. 18 ans. Voilà. On va voir que tu es un passionné, toi, mordu de tradition et d'accordéon. Hein. Ouais. Donc, dans l'émission, aujourd'hui, qu'on va faire avec toi ici, on te verra tout à l'heure. Voilà. Vous allez me voir. On va dire aux gens une chose. Et on salue Claudine qui nous rejoint déjà. On va dire une chose, c'est que ben, tout à l'heure, on aura de l'accordéon avec toi, Jules. On va monter Morzine, tu connais bien, toi, tu es de Montrillon à côté, hein, c'est juste ça juste à côté, hein. La commune à côté, ouais. Voilà. Quelle température il fait, Jules, ce matin? Ça doit faire 10 degrés à peu près, je pense. Je ne vais même pas regarder spécialement. Peut-être même moins, peut-être. Peut-être un peu moins, on a la neige sur les sommets. Il y a neigé il y a deux jours en arrière, là. Ouais. Et puis, voilà. Alors, Jules, on va montrer un peu Morzine, c'est quoi qu'on voit là-haut? Là-haut. Alors là, c'est le télécabine du Pléenet, là-bas. Du Pléenet, hein. Ouais. On va montrer où on est, là, la mairie de Morzine devant nous, mairie, hein, à l'ombre. Hein. L'ancienne poste, ici à côté. L'ancienne poste et l'église derrière nous. Voilà. Alors, Jules, on va dire un truc étonnant, on t'a déjà rencontré. On salue ceux qui nous regardent, très nombreux déjà ce matin. Hein. Jules, on va te dire un truc. Toi, tu as fait de l'accordéon. Grâce à qui tu as fait de l'accordéon? Bah, beaucoup à Jeannot, ouais. C'est ce que. Jeannot Christina. Je disais l'autre jour, ouais, voilà. Enfin, ouais. Y a déjà... Alors, il y a deux ans, ouais. Il y a deux ans, on avait dit qu'on te le présenterait. Ouais. Alors, ça n'est pas possible aujourd'hui, on le précise, on entend direct. Hein. Mais qu'est-ce que tu penses de Jeannot, toi? T'en penses quoi de Jeannot Christina? Ah, bah, c'est un bon Jeannot. C'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier au départ? Ah, bah oui, il a essayé de tout. Voilà, on les a écoutés et puis après ben, ça donne l'envie de, ouais. D'apprendre des chansons et puis voilà. Ouais. Tu l'as jamais rencontré, Jeannot? Jamais encore. jamais. Non, alors tiens, alors on va faire peut-être un petit quelque chose. Tiens, on va demander. On va faire une petite surprise en direct. Et si par hasard il arrivait, Jeannot, là, t'en penses quoi? Ah ben on serait content. Ça te ferait plaisir? Ah ben c'est sûr. Regarde ce qui se passe. Jeannot arrive, Jeannot Christina arrive avec Olivier Philippe, le voilà. On est en direct, la rencontre est émouvante, on n'en dit pas plus. Regardez. Très émouvant. Bonjour. Bonjour Jules. Bah, ça fait plaisir. On ne sait pas qui c'est qui va parler le premier. Je sais pas. Eh ben moi je suis content de te voir. Bah moi aussi. Tu vois, c'est deux générations qui nous séparent. Oui. Mais ce qui nous unit, c'est le même chant, le même amour pour la montagne. C'est vrai, ouais. Et pour notre pays. Là, je suis content. La surprise est bonne. Mon garçon. On va reprendre la parole. Ouais, mettez-vous côte à côte. Olivier Philippe, tiens, Olivier avec nous. Bonjour Olivier, on est en direct. Bonjour. Aussi. Tu le connais, Olivier aussi? Ben, on se connaît par le télé. Tu sais, moi, je ne joue pas de l'accordéon, j'ai besoin d'un accordéoniste. Julie sait tout faire. Alors, on est content de ce moment. Combien d'années vous sépare, m'avez dit là? Combien d'années? Oh, ça doit faire 50. T'as combien? 18. Et puis moi, 73, tu vois. Ça fait 55 ans. 55 ans d'écart. Alors, dis donc, Jules, tu as écouté les CD de Jeannot dans le temps? Tu les écoutais, toi? Ouais, bah, quand j'étais petit dans la voiture, on les a assez écoutés, oui. C'est quoi le morceau que tu écoutais le plus? Le morceau, on les aimait tous. Hein. Mais à chaque fois, le même plaisir quand on les écoute. Et puis, y a des fois, ça change. Des fois, on aime mieux un autre. Et puis après... Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que tu as trouvé quelque chose dans ce que je chantais et pouvoir l'exprimer en continuant. Et pour moi, c'est, je sens que je n'ai pas chanté pour rien, quoi. Ouais. Que les générations continueront. Et ça, je suis mais heureux, tu ne peux pas savoir. C'est ça qui me fait le plaisir, surtout ça. Parce que tu sais, quand on chante, quand on s'exprime, c'est pour faire plaisir aux autres. C'est pas pour ça. Nous, ça nous sort du cœur, parce que c'est beau, tout ce qui nous entoure. Puis après, quand ça continue, on dit c'est bien. Hein? Jeannot, c'est sûr que c'est... On ouais. Sent l'émotion chez toi. Ah oui, absolument. Les larmes aux yeux? Presque, oui. Oui. Parce que pour moi, c'est très important, au bout de tant d'années, de voir que c'est un peu concrétiser toute une vie de... Ah là là, comment dire, de passion, de tout ce que j'ai pu créer avec foi, avec amour, avec ferveur par rapport à la montagne, par rapport aux alpages, par rapport au pays, et puis que ça continue, eh ben genre, oui, je suis très ému, quoi. Bravo. Très touchant cette rencontre, on rappelle en direct à Morzine, c'est une surprise, on a fait la surprise. Ah bah c'est bien fait parce que c'est aussi. La première chose que j'ai demandé en arrivant, j'ai dit, ben tiens, il n'y a pas Jeannot. Je te promets, il m'a dit, il n'y a pas Jeannot, tu étais un peu déçu.
Alors on est très heureux parce qu'on partage ce moment sur Facebook Live. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de l'émotion. On rappelle, hein, Jules Gaillard, 18 ans, fan absolu de Jeannot Christina, le yodeleur des montagnes ici, de la vallée du Giffre. Hein. Et depuis toujours, tu voulais le rencontrer et ça s'était jamais fait. Il y a déjà un moment ouais, que je voulais, puis bah voilà, ça s'est fait. Fait aujourd'hui. Concrétisé. Se concrétise. Alors on verra deux émissions, on n'en dit pas plus pour l'instant, deux émissions. Et vous prendrez l'accordéon, les garçons, quand même. Hein. Ah bah. Vous pourrez chanter un morceau ensemble? Oui. Possible, ah bah, Jules? Oui, bon, c'est sûr. Tu vas être ému, toi. Hein. Ah bah. Alors on parlera de tes chèvres aussi, tu as bossé ce matin, toute la matinée avec les chèvres, on va le rappeler. Hein. Voilà, ouais, on était soigné ce matin, et puis. Enfin là, c'est un peu plus calme, c'est l'automne. Ouais. On ne traite pas ni rien, donc c'est un peu plus calme, mais il faut y être quand même. Alors, ce qu'on va faire, pour l'instant, il n'y a pas d'accordéon. Restez avec nous sur Facebook Live. Et puis, deux émissions de la place du village, on rappelle, où on retrouvera la rencontre filmée. Hein. Tiens, on va montrer. Ouais. T'en penses quoi, Pierre Emilio, qui a filmé ce moment hein, ah, émouvant. La belle rencontre, là, émouvant. Ouais. 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 Très ému. On est très ému. Les larmes de Jeannot, on les partage. Ah, ça. Et il n'en est pas loin des larmes, Jules. Il n'en est pas loin non plus. Ah, ben, c'est sûr que ça fait vraiment plaisir et c'est. C'est touchant. Hein. Ouais, 55 ans d'écart. Alors, on peut vous dire que c'est un grand moment. On va le partager dans la place du village. C'est nulle part ailleurs. Restez bien avec nous. On va vous quitter maintenant, amis Facebook. On vous retrouvera tout à l'heure. On vous le promet, il y aura de l'accordéon dans la journée. Et puis, cette belle émission qu'on verra. On va saluer aussi Olivier Philippe qui est avec nous. Accordéoniste, merci d'être venu. Tu es le compère. Hein. Compère de Jeannot. Ouais. Qu'on perd jamais de vue, d'ailleurs. Que Jeannot perd jamais de vue. Hein. Oh, non. Et on salue aussi là-bas, ben, on en reparlera ah ben, tout à l'heure, on le verra dans l'émission. Allez, on est très heureux d'avoir débuté cette journée. Rapprochez-vous les deux là, regardez-moi ça, avec les trois, regardez-moi ça. On est très touchés, Jules Gaillard, 18 ans, qui rencontre pour la première fois un peu l'idole, on va le dire, hein, ouais. Jeannot Christina, le yodeleur des montagnes. On n'en dit pas plus, c'est dans la place du village. Merci de nous suivre ce matin, à tout de suite, hein, dans peu de temps, on vous retrouvera bien sûr avec les chefs et les accordéons, les garçons. Et le chant, et bien sûr, il y aura une tyrolienne, Jeannot, quand même. Oh, sans aucun doute, oui. Et je le sais, quoi. Bah, on va essayer. Allez, on est à Morzine, on est parti, bonne journée. On va travailler maintenant, désolé, on est obligé de partir. Bisous de Malaisie, Mont Jeannot, nous dit Jean-François Buffaillon. Ça te dit quelque chose? Voilà, ah. Super tableau de famille, nous dit Claudine Gallet. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent ce matin. Allez, c'était cette séquence émotion. Allez, nous aussi, on est émus. Il n'y a pas que toi, Pierre-Emilio. Hein. On est très touchés par ce moment. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup.